Mais j'ai le droit de check, non? J'y pense. Espèce de fragile. Je vais te battre là. Écoute, même si moi je ne suis pas en forme aujourd'hui, je vais quand même respecter mon cible. Je vais pas dire que je suis. Donc du coup, Musculade qui apprend le. Ah non, il a pris le skill. Je vais vous. Elle a pris Falco. What? Pourquoi il a pris Falco alors que. Ah merde, j'ai oublié de changer les scores. Du coup, il a pris le skin noir là. Oh, le gros skin noir. Ok, ne pas prendre ça en contre. Il a pris Falco. Pas pour le combo, regarde. Allez, oui, hop là. Allez, calme-toi. Smash, up, Donner, ça va aller vite. Bon, d'où ça se prend tous les combos du monde là? Le side B va être puni par un ding dong évidemment. Mais c'est pour ça que j'aime pas faire des side B au neutral comme ça. Voilà. Bah, c'est un peu osé, si ça passe c'est bien, mais si ça passe pas, tu vas vite te faire punir. Ouais, j'avoue. Du coup, Aerod qui a l'avantage du stage par Donkey Kong, et là ça va être compliqué de le reprendre. Étant donné que pour Edgeguard, Falco c'est pas dégueu, par contre ça c'est un peu dommage hein, d'avoir perdu tout son avantage sur... Voilà le bon upbeat pour passer à travers le shield avec Falco. En plus ça met au moins 30, ça met 30% de dégâts si tu prends vraiment tout l'upbeat de Falco. En plus cette lente situation ça... Le smash qui va être de Falco. Le up smash de shield. Ah. Le B. Ouais c'est vraiment bien le B comme ça dans leur situation. Ah, la récré de Falco qui va être compliqué. Oh, par contre, ça c'est un peu dommage. Il s'est trop précipité à faire ce up B sur le stage. Là, du coup, il va se faire. Ben, hop là, une phase avec 4 coups. Du coup, là, revenir contre Falco, ça va être compliqué. Non, parce que après, sauf si tu te loupes, si tu sais pas viser. Enfin, oui, si, c'est vrai que si tu coupes les garges. Là ça va tuer, Falco c'est un sac à plumes. Un sac à plumes. Oui, c'est un oiseau, donc c'est un poids plume. C'est un poids plume, merci. En fait, dans la tier list des poids, c'est vraiment poids plume. Genre c'est même plus léger qu'en Vinovi, tu vois. Ouais. La Bubi qui est... qui est dans un panade, même s'il arrive à quand même trouver des... Bah le truc c'est que genre, indiqué ça va vite tuer Falco, donc là tu te dis que Falco il peut être en kill, hein. Il peut se faire kill. Faut faire café, trouver là-dessus. Ah, il faut éviter le EPR, voilà, on évite les coups qui tuent. Ouais, par contre faire gaffe au... Là, ça va être compliqué, oh là, il a pas tech. Mais c'est quoi ces gens qui tech pas? Aerod, il a pas tech et du coup ça lui coûtait la stock là-dessus. Tu vois, je t'ai dit, Kadzer, il serait plus ça, il aurait tech, tu vois. Et du coup, là, Aerod qui est dans une situation plus délicate, même s'il arrive à trouver la stock, il est en retard. Il a pris du retard parce qu'il a pas réussi à tech et ça peut lui coûter très cher. La dash attack qui va être trouvée, elle est safe, donc c'est bon, il a plus à faire. Upper. Par contre, il air dodge rien du tout, Musculade, en vrai. On dirait que... Bah, je sais pas s'il peut... Normalement, je pense pas qu'il puisse parce que je pense qu'il a peur de se reprendre des upers derrière s'il air dodge. Donc, en vrai, le fait qu'il air dodge pas, c'est peut-être... Bah, de toute façon, TD4, t'es lourd, hein. Tu peux te le permettre un peu. Bah, essaye de le tuer et ça va... Pas tuer. Pas tuer ça ah pas non, tuer. Il était trop low pour ça. Là je te dis, voilà, hop, back-air. Le back-air qui va être trouvé, le up, ou le grab, et là c'est fini. Le side B osé, le side B est osé, hein, pour le coup. Bon par contre, oui, Aerod qui side B plusieurs fois, et ça va lui coûter... La game, carrément. Parce que... Bah là, il a side B dedans, ça va tuer. Parce que effectivement, s'il arrive à faire un perfect pari derrière, bah il peut lancer un combo, sauf que pas réussir. Mais quoi? Formal user, parce qu'il joue à pied. Comme ça, il joue à pied? Non, il joue comme à pied. Mais c'est quoi là? C'est side B là? Là, parce que là. Les side B éclatés. Bah, il est pas concentré. Elles vont peut-être aller sur Weekend. Écoute, le good luck. Ah, il va le faire. Écoute. La Musculade, du coup, qui est quand même 0. Non, mais non, je peux pas. Je vais probablement
Alors, est-ce que ça va reprendre Falco pour ce match? Après, normalement, avec Samus, on sort très bien contre Bousculade. Bah oui, mais je sais pas pourquoi il veut prendre Falco. Et là, du coup, il a pris Lailat et je pense que ça va partir sur Samus. Voilà, c'est partir sur Samus, et puis, évidemment. On regarde ce que Tony tweet, tu sais. Attends, il a vraiment mis ça dans le Discord. Merde, je trouve pas Samus. Samus, ouais, c'est pas ordre. Attends, faut inverser les. Attends, y a pas les flèches? Oui, voilà. Putain, Bouchette, il n'a pas trollé pour une fois avec Jessine. Du coup, là, Hérode qui a juste à camper Bousculade. Et Bousculade. Lui doit foncer dessus, il doit trouver une frame. Mais je pensais que normalement le site d'Aerod c'était justement pas de camper avec Samus. C'était quoi le style de... Je pensais que le site d'Aerod c'est justement de pas camper avec Samus. Ouais non mais après Aerod c'est différent. Après c'est différent. Et le up smash qui va être. Ouh, la petite bombe tout up smash. Oh, la petite danse. Écoute, danse derrière. Écoute, ça c'est quand tu joues Falco, tu te fais influencer. La dash attack qui va être trouvée, bien joué ça. Ouh, par contre ça c'est dangereux de la part d'Aeron d'avoir fait ça. Sa manière de regarder elle est un peu risquée. Ouais, B to B, ouais. Faire qui va essayer de trouver. Backer, oh il va essayer de trouver un backer. Bon, là par contre il a été un peu trop loin et du coup ça va lui coûter la stock à mon Aeron. Termine avec ça en fait, donc c'est le meilleur pour vous. Ah mais moi j'aurais jamais j'ai le courage de faire ça. B qui va trouver de la farm. Qui peut revenir du coup bah suite à l'erreur d'Ayrot. La balle qui va être trouvée de l'ultra ennemi. Si Bousculade arrive à prendre face d'avantage, il peut revenir, mais là ça paraît très compliqué. Ouais, le down tilt qui fait mal. Et voilà, il se prend le neutral ennemi, ça le tue pas. Bah non, parce que c'est pas le full char shot, donc ça, forcément ça va pas tuer comme ça le devrait. Tout petit DK, voilà, ding dong, le ding dong, voilà. Un autre dong, voilà. Ouh. Et le B qui va tuer. Bah, il était à 200%, quand même que ça tue un jour. Ah, t'es là, t'es à 200%, si tu pas avec Samus, c'est un peu cringe, je rigole. D'un côté, j'ai un peu raison. Voilà, père. La backer. Elle s'amuse. Il a fallu faire mal à notre Bousculade. Voilà. La carte de Bousculade qui est trouvée, mais il a un peu de paladin, parce que déjà, il arrive à tuer. Et allez, pas tuer avec Bouclier Conque, c'est quand même vrai. Ouais, ben, aussi avec Samus tout à l'heure. Il va se faire plus d'un pour ça. Ah non, il arrive quand même à Bakia derrière. Non, il a arrêté. Il a loupé sa fenêtre. Voilà, il a cancel la neutralisée. Enfin, le cancel. Là ouais, Bousculade est vraiment dans... Il a une stock de retard et là ça va être compliqué. Ah là c'est un peu la sauce on va dire. Toi t'es dans le Lailat, bah après le truc c'est ouais t'es vraiment dans le Lailat. Lailat c'est un bon terrain pour Samus je pense, enfin... Bah franchement, bah sinon pourquoi il l'aurait pris quoi. Là il va se faire up throw voilà. Up smash et ça tue et... C'est up throw. C'est la fatigue, c'est la fatigue. Je comprends, t'inquiète. Punaise, il m'a fait peur! Non, faut juste qu'il prenne un buff bien. Ah, le buff. Ah, le buffer Volvic. Buffer Volvic là-dessus. Alors, petite page de pub à buver de l'eau, c'est très important. L'eau, c'est la vie. Et nous, on a de la bonne eau en Auvergne. Oui, Volvic. Et Evian. Non, c'est pas Evian, c'est plus quoi. Voilà. L'eau meilleure que le reste à boire. Du coup je pense à partir sur du PS2 si je dis pas de bêtises étant donné que c'est Aerod qui va te ban et voilà ça va partir non. Ça va partir sur PS2 parce que il me semble que les bans d'Aerod vont faire que c'est la PS2 qui va être choisie, voilà c'est la PS2 qui va être choisie. Putain, façon, c'est... Pas mais choix. Qu'est-ce qu'on est surpris que ça soit PS2. De toute façon dans ce match là c'est soit Lailat soit PS2. Non Bousculade. Le bleu est très beau.
Le bleu foncé, il est très beau. Je préfère le sion avec les lunettes. Il a une petite chemise calamar. C'est vrai que la chemise calamar, il va bien. Moi, je préfère le gilet jaune. C'est plus drôle. Bah surtout quand tu mets de la poiture, t'es en mode. Alors vous êtes en un état d'arrestation, tu sais, quand tu l'enfermes. Gilet jaune, c'est Pikachu Pac-Man, c'est gilet jaune tout le temps. D'accord, bah oui. Bah oui. Il voit pas la main, c'est sympa. Eh, mais punaise, mon perso, il a pas tellement changé de couleur quand il cling. Par exemple. Du coup, Aeroth qui fait 3 MB d'un coup, ouais, ça prend 52%, mais... Quand c'est pas terminé, est-ce qu'on peut voir si t'as aussi des Bousquet ou un counter play, voilà. Bousquet qui a trouvé ça, dommage. Ah, c'était bien osé par contre, mais dommage, j'ai pas trouvé la punition parce que, ben, Aeroth, c'est... un peu bizarre, mais... en fait, le truc, c'est qu'Aeroth, il la mâche. Et vu qu'il était pas assez haut pour ça... Oh non, le DK, pas... Mais non, DK, faut l'accrocher le net, je voyais. C'est juste que si tu mets la peinture, moi je pense qu'il va. Allez, Rod qui va. Bah, ouais, jouer safe, de toute façon il n'a pas approché la. Sachant qu'il a l'avantage niveau pourcent, même niveau match-up. Ouais, mais... son pistolet chargé, c'est pas comment il va le faire. Ah, dommage, c'était une Miss Impulse, je pense que ça vit vers la gauche. Et voilà, l'esquive de Donkey Kong a été vite par Aeroth. L'Aeroth ne pourra pas revenir. Non, pas encore revenir. Pas revenir. Bien joué de la part du Squad. Et bon, il a un retard à rattraper. Et ça va être un peu compliqué. Neutralité trouvée, side B. En fait, la game avec Falco, c'est une game de chauffe. Hein. Oui, oui. C'était format des. Attends, je laisse une game. Attends, je vais revenir sur Samus. Je vais te. Le B qui est encore trouvé là. Je vais appuyer sur le bouton B. Parce qu'elle est à 150% et le moindre neutral B que tu vas prendre, bah, ça va être un kill. Bah non, pas là. Pas là, mais parce qu'il était au bout du stage. Alors que c'est différent. Le Don B pour. Ah bah merci le Don B. Ah, il s'attendait à la shot tag. Et voilà. Le petit F-tilt qui va tuer. Parce que ben t'es un peu à 200% et j'aime bien que ça tue. Ah, c'est bien très compliqué. À chaque fois, il a toujours une seule. Là, parce que là, il n'arrive pas à approcher la moindre approche à solde par un laser ou un neutral B. Ou par contre, ça s'est bien trouvé, malheureusement, ça ne tuera pas. Ah bah non, trop low pour ça. Ouais, le ding-dong qui a fonctionné, dong. Hashtag dong. Ah bah plus de dong. Ah, il veut trop grave. Hein. Ah, dommage. Le B qui est. Un Rod qui a cross-up derrière des cas. Il était un peu osé et du coup, ça va. Écoute, clairement, on aime bien oser. Là, il pourra pas revenir. Si, il pourra venir. Non, il pourra pas. Oh, si, Fiji. Là, il pourra pas revenir. Voilà. Bah, parce qu'il sera mort hein, avant qu'il puisse revenir. J'aurais préféré être trouvé sur Mathéo. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il veut tellement grave Aeroth parce que c'est tellement plus simple pour tuer avec une tro. Bah, c'est surtout que ouais, si Basculade arrive à prendre le moindre grab, bah c'est. Bah déjà il peut mettre en phase avantage à 0% et à 0%. Et puis à 0% il va pouvoir le tuer. Attache attaque. Par contre, ouais, c'est vrai que DK contre Samus en douche trap, c'est vraiment un truc. Ah, c'est vraiment un enfer hein, pour DK. Putain, mais Bousculade qui doit s'amuser pendant les straps. Oh, par contre, le Baker est. Ah, dommage que Bousculade n'ait pas fait. Oh, par contre, non, ça c'est dommage, il a pas accroché le ledge et du coup, ça m'a coûté la stock. Ouais, il a rico trop, mais. Putain, dommage, par contre, il a pas un smash, il a pu faire un down smash pour mieux cover les. Bah, là où Aeroth atterrit. Il m'avait dit. C'est un peu dommage de ne pas avoir accroché le ledge là-dessus. Ouais, je crois qu'il a commencé sur ce B, mais on savait déjà qu'il n'avait pas accroché le ledge. Du coup, c'est déjà une balle de match pour. Aeroth. Ouais, Aeroth. Allez, Bousculade, pour essayer, il faut se réveiller. Après, c'est plus dire qu'à faire. Peut-être, je vais voir le chute non plus. Oh. Oh, game 4 et peut-être la dernière. Bon, on espère est-ce qu'on espère une game 5 ou non pour faire plus durer le plaisir plus longtemps. Après j'étais au proche, je suis fatiguée. Et bah, il faut dormir. Donc Aeroth qui vient de prendre 42% gratuitement par Bousculade. Oh, voilà. L'esquive qui va être bien écoulée. Allez Bousculade. Ouh, la voilà. Petite claque de daron. Voilà, faut faire des claques de daron, faut faire des dig-dong. Par contre... Là il est déjà à 90% et là Bousculade joue très bien. Oui, par contre, il faut continuer sur cette voie. Ça va, l'ego, Victor, à ce que je vois. De quoi ? Ça va, l'ego.
Lego, comment ça, Lego? Lego, là. C'est elle qui l'a mis, pas moi. Oui, si, c'est vraiment moi qui l'ai mis. Là, là, j'attaque de bousquet. Écoute, il a rien dit par contre. Hein. Oh non, bah, c'était bien. Vélicto le BG, ça me. Ça te va, ouais. Oui, mais c'est tué, ça tuera. Bien joué, parce que là-dessus, qui veut qu'il attend l'avantage. Et bon, voilà, pour quelqu'un qui regarde ça, là, c'est vraiment pas Vélicto qui a mis le pseudo. Oh, voilà, il l'a. Non, mais après, ils sont fous. De toute façon, tout le monde sait que je suis BG, donc ça change rien. Ah, voilà, donc, voilà, j'ai réveillé l'ego. Bousculade qui a réussi à esquiver le neutral bee. Alors ouais, et c'était très bien joué en plus. Là, normalement, une dash attack même de Samus, ça tue. Hein. Ah, le grab qui loupait, du coup. De toute façon, Aeron se doute qu'il va essayer le grab. Ouais, il fait pas assez approche de. Tu sais, genre, il fait pas lâcher de dash shield avec des cœurs. Bah, en fait, le problème du dash shield, c'est qu'il passe bien grab rapidement, vu que le grab de Samus, il va à 8 km. Ouais, mais je sais pas, c'est. C'est quoi le mieux entre se prendre le neutral bee en milieu de chemin genre. Je sais pas du tout, mais. Je sais pas si ce serait possible de genre, tu vois, tu dashes au début, et genre à un moment donné, quand tu sais que tu as la reine du grab de Samus, tu sautes pas au dernier moment si jamais il prévoit de grab. Je sais pas du tout. En fait, bah, comme dirait Tony, tu joues Super Mario. Mario Party. Ouais. C'est Mario Party. C'est mais Mario. Ah oui, oui. Et le B de Aeroth qui va être trouvé là-dessus. Je savais où tu allais atterrir, en fait, mais juste à la fin de la saison. Un neutral B qui passe. Bon, par contre, la bousculade, il se fait complètement reverse la game. Voilà. Et voilà le grab qui va être trouvé de Aeroth. Ouais, le pro qui tue. Ah merde, on n'a pas le date. Ce qu'on me disait, il n'y a pas que deux. Hein. Et là. Ah ouais, alors, je voulais pas cliquer sur le date. Je mets la pression. Là, je crois qu'il va, voilà, il va se faire. Bousculade offstage, il ne peut pas faire grand chose alors que Aeroth, pour comment le lash trap, c'est plus simple pour lui avec ses gambies. Enfin, par contre, ouais, le truc, c'est quoi, il va mettre des kill moves, mais genre, du coup, il s'acquille pas parce que c'est vraiment. À la prochaine. À la prochaine. En espérant que ce soit bientôt pour moi. Le down smash de bousculade qui va être trouvé, mais. Voilà, monsieur, mettre des down smash, des fois c'est. Des grabs, ouais, ding dong ça. Ding dong, 41%. Ding dong. On peut le faire, on peut toujours le faire, mais bousculade, ça va juste être compliqué. Allez, ouais, en plus, genre, il peut te mettre juste un autre trait dans la figure, là, tu l'enterres. Père de Samus, là, il est dans une situation compliquée, il enlève sur face à Samus et t'as pas envie, en plus, il prend une autre vie. Là, il est dans une situation où c'est compliqué, la moindre erreur serait fatale et il perdrait. En bref, tu peux dire. C'est la D. Quoi? Ah, ça a pas touché le Bakker? Non, le Bakker il a pas touché parce que Samus a eu l'avantage. Et voilà, notre Trabi qui va être touché. Et ouais, t'as vu à la fin Bousculade qui a voulu grab. Hein. Bah, Bousculade c'est ce qu'il veut, de toute façon, c'est de grab. Ah, mais le truc, c'était pas de tuer la reine. Nous aurons un petit classique au classique Aeroth, une poignée. Bah, là, je change juste ça là. Oh, le fake.